choose a code name for yourself. I already have. But I'm a soldier! I'm not a martyr! La principale hésitation, c'était je ferai Carlos s'il y a Carlos. Si j'ai pas Carlos, je fais pas Carlos. Ça n'a, même si toutes les conditions requises sont là, même s'il y a le budget pour le faire, ça n'a pas le sens de le faire. Et je veux dire, je rencontre Edgar Ramirez. Je rencontre Ramirez parce que Edgar Ramirez, parce qu'Antoinette Boula, qui travaillait sur le casting donc avec moi, a très vite vu que le nombre d'acteurs latino-américains qui parlent trois langues, qui ont la capacité de porter sur leurs épaules un film, elle est relativement limitée. Donc elle a fait des recherches, des agents, Internet, les films, etc. Bon, c'est le nombre est très réduit. Des acteurs qui ont l'âge de pouvoir interpréter Carlos à 20 ans et Carlos à 40 ans. Enfin, voilà. Enfin, disons qu'il y a une sorte de cahier des charges absurde. Je n'ai jamais vu de ma vie. L'organisation a besoin de l'argent et elle a besoin de notre vie pour continuer le combat. Tu madre. Naturellement, on arrive à Edgar Ramirez. Mais Edgar Ramirez aurait aussi bien pu ne pas exister. Le miracle, c'est qu'Edgar Ramirez existe. Moi, je ne savais pas qu'il existait avant, etc. Et que c'était véritablement le seul acteur qui pouvait être Carlos. Je crois qu'il y a, et il se trouve que c'est un acteur génial, que c'est quelqu'un qui a une sorte de personnalité complexe, qui a une intelligence de l'usage de son corps qui est comme ça assez animale, enfin qui est étonnante, et puis qui a une intelligence de cette histoire-là, de la politique, qui tient son histoire à lui. Il voulait être plutôt destiné à la diplomatie, il a fait des études plutôt de sciences politiques. Son père était attaché militaire, donc il a beaucoup voyagé, il a grandi autour d'ambassades vénézuéliennes dans différentes capitales. C'est là comme ça qu'il a appris à parler quatre langues. Mais surtout, il a été confronté aux enjeux politiques qui sont ceux de l'histoire de Carlos. C'est une histoire qui comprend et de l'intérieur, je dirais. C'est le communiqué. You will go out. You will give this to the police, along with the letter. Donc, il était en tournage à Bogota. On l'a contacté. Il a dit, je tourne pas ce week-end, je viens ce week-end à Paris, je fais l'aller-retour. Et il est arrivé, on a parlé de Carlos, du film, de la façon dont on voulait le faire, etc. Enfin, on est resté des heures ensemble, et ça m'a semblé parfaitement évident que ce film était... D'abord, que ce film était inenvisageable sans lui, et puis surtout, qu'avec lui, tout d'un coup, le film devenait envisageable. I'm wounded. Situation's under control. One of the cops was hit, the others ran. Joseph is still in position. Nothing to fear. Just sit here, keep an eye on the hostages, okay? Dès le départ, c'était les rôles entre nous étaient distribués. C'est-à-dire que lui m'a toujours dit, moi, de toute façon, moi, je crois dans l'humanité de Carlos. Après, je pense que cette humanité m'intéresse, y compris dans ce qu'elle a de dérangeant, y compris physiquement par moments, et même dans ce cas-là de pathétique à d'autres moments. Mais il dit, mais moi, je ne peux pas envisager ce personnage si je n'essaye pas de lui donner des raisons chaque fois. Donc si tu veux, si tu as le sentiment que je vais trop loin, tu me retiens. Tu me le dis, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Lui, il a toujours cherché l'humain chez Carlos. Et moi, je l'ai suivi la plupart du temps. Certaines fois, je trouvais qu'il allait plus loin que j'aurais été. Et ça, c'est des choses que j'ai nuancées, disons, au montage. I killed two men and didn't do it for money. What do you want then? A bloodbath? Yes. That would be a failure for us and for the cause. I prefer failure to shame. Il faut arriver à faire exister Carlos à la fois dans sa mégalomanie, dans son narcissisme, dans quelquefois dans sa confusion idéologique aussi, mais aussi dans son humanité, dans son charme, dans les contradictions de sa personnalité dont il faut jamais faire l'économie, quoi. You're a traitor, nothing else. I'm not a traitor. Dare to touch me again. We have to go to Baghdad. Open your eyes. There's no way to go to Baghdad. And I've taken my decision, and that's final.
You'll be freed at midday. C'est pas le Carlos aujourd'hui qui soutient Dieudonné aux élections européennes, etc., qui peut donner un repère pour savoir qui est réellement Carlos. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui était Carlos dans les années 70, 80. On est obligé de se baser sur les témoignages. Et les témoignages, ils sont tous dans le sens d'une sorte de panache, enfin, ils bluffent les gens, quoi. Spécifiquement les gauchistes de l'époque. Les gauchistes étaient très puritains, etc. Tout d'un coup, ils voient un type qui flambe, qui se conduit comme un gangster, mais en même temps avec une idéologie extrêmement structurée, un type intelligent et qui est l'interlocuteur des grands chefs. Tandis que les gauchistes, ils ont tous un peu le sentiment de toujours être un peu éloignés du centre. Voilà. OK, listen up. The neutral countries in the back, to the left. Smaunir. Du fait de la complexité de l'histoire qu'on raconte, qui est une histoire qui est obligée d'intégrer les méandres de la politique moyenne-orientale, il fallait que les nationalités soient intelligibles, représentées de façon crédible, je veux dire, dans le sens où un Syrien, c'est pas un Iranien, c'est pas un Irakien, et je veux dire, un Libanais, c'est pas un Algérien. Irak, l'Irak, Libye, Kuwait. And the others? Baladashi! And the others are the enemies of our cause. This here. Saudi Arabia, in the center, quick! Saudi Mas! Taloni, garam, garam. Et donc, il y avait quelque chose d'extrêmement rafraîchissant, enfin je dirais, enfin, je sais pas, c'est pas le bon mot, mais enfin, c'est à peu près ça, à sortir du cadre des possibilités du casting français. C'est-à-dire de me dire, voilà, je vais faire un film dont les rôles principaux, c'est des gens que je ne connaissais pas d'hier, que j'ai jamais vu jouer par ailleurs. Je vais les rencontrer et je vais être obligé d'abord de me fier à mon intuition et de les inventer, quoi. You know what, Magdalena, I don't give a damn about the Hungarian cops anyway. If they keep pissing me off, I will just ask Stasi to call them to order, that's it. Unless they work for Western intelligence. Here he goes again. The French, for instance. I don't buy that. No. Il y a eu une telle, au fond, osmose, hein, entre l'équipe, le sujet, les personnages, les lieux, etc. Je sais que chaque fois, quand c'était le dernier, vers la fin du tournage, quand ça commençait à être un peu le dernier jour des uns et des autres, c'était émotionnellement assez fort. Des films, on ne peut avoir qu'envie de les montrer à Cannes, parce que c'est vrai que c'est le public le plus violent, mais aussi c'est peut-être c'est la meilleure salle du monde, au sens c'est le public du cinéma international qui est là, réuni une fois dans l'année, donc c'est passionnant, quoi, de montrer un film là. Et c'est vrai, oui, moi je suis extrêmement flatté, enfin je veux dire en tout cas que Thierry Frémaux ait voulu le montrer dans ce cadre-là, dans la grande salle, en continuité, etc. Et puis c'est un geste comme ça de confiance, de foi dans une idée ambitieuse, quoi, atypique du cinéma. Ça me touche beaucoup et je suis impatient que ça soit passé. Je suis impatient que ça soit derrière moi.